Un dernier au revoir loin des caméras de télévision qu'il n'appréciait guère. Les obsèques du chanteur Jean-Louis Murat ont eu discrètement lieu mardi 30 mai en la basilique Notre-Dame d'Orcival, commune du Puy-de-Dôme où il vivait, réunissait près de 600 personnes selon nos confrères de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. L'auteur et interprète des chansons foules et romaines, Au Monde sans souci et J'ai fréquenté la beauté est décédé jeudi 25 mai, des suites d'une embolie pulmonaire due à une phlébite. La petite foule rassemblée pour rendre un dernier hommage au chanteur de 71 ans comptait des membres de la famille de l'artiste, des amis, mais aussi des collègues musiciens, des voisins, et même quelques élus locaux. Sans compter, bien évidemment, les fans du chanteur. Certains ont fait exprès le déplacement depuis d'autres régions de France, et même depuis l'étranger. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 mort de Jean-Louis Murat, était-il marié? La cérémonie d'adieu à Jean-Louis Murat s'est tenue loin des caméras de télévision, ses proches défilant pour témoigner de leur affection pour l'artiste disparu. Les obsèques se sont achevées avec la diffusion de plusieurs des chansons de l'artiste, et la sortie de son cercueil a été accompagnée de très longs applaudissements. La petite foule a ensuite accompagné le cercueil de Jean-Louis Murat au petit cimetière de la commune de La Bourboule, où le chanteur repose désormais. Jean-Louis Murat a été marié très jeune, à 17 ans. Une union qui lui a donné son premier fils, mais a abouti au divorce seulement 2 ans après les noces. Un premier divorce qui a été suivi par d'autres. J'ai passé mon existence à divorcer. Ce n'est pas un plaisir, je suis désespéré de le faire, avait ainsi regretté l'artiste en 2021, dans une interview accordée à nos confrères de RFI. Avec sa dernière épouse, Laure Bergot, dont il avait divorcé, Jean-Louis Murat a eu ses 2 derniers enfants, Justine et Gaspard. Crédit photo, Colin Max Abaca. There's all times through the rough times.